Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne il y a très longtemps vu qu'il s'agit du jeu Edge of Eternity qui a été financé sur Kickstarter en février 2015 et auquel j'avais déjà consacré une première vidéo qui montrait un petit peu la démo qui était proposée au public à l'époque. Donc le Kickstarter de février 2015 s'est parfaitement bien déroulé. Il y a eu à peu près 4000 personnes qui ont participé et le jeu a récolté environ 160 000 $. Et aujourd'hui, enfin hier pour être précis, le jeu est sorti en Early Access. Donc le but de cette Early Access, c'est de proposer déjà le début de l'aventure, les 4-5 premières heures de l'histoire principale plus quelques quêtes annexes. Le jeu sera mis à jour tous les 3 ou 4 mois normalement, sans compter des patchs mineurs entre deux, donc ça devrait m'occuper quand même quelques temps, on va dire. Et avant de commencer, juste une petite remarque par rapport aux musiques. Donc les musiques qui ont été en partie composées par Yasunori Mitsuda. Donc Yasunori Mitsuda, qui est un compositeur japonais ayant travaillé entre autres sur la série des Chrono Trigger, Chrono Cross, ainsi que la série Xenogears, Xenoblade Chronicles. Et c'est également une partie des musiques composées en interne par la team Midgar, par Cédric Menedé. J'espère que je prononce juste. Et donc je vais tout de suite lancer le jeu. Donc le jeu qui est sous-titré en français, par contre qui a été doublé, mais en anglais. Et c'est parti. Si ça veut bien lancer le jeu, voilà. 30 years ago, strange metal airships appeared in our skies. We didn't know who they were nor what they wanted. They first presented us with gifts, small tokens of their incredible technology. In exchange, all they wanted was food. Then they asked us permission to mine our soils. And finally, they wanted to take our crystals from us. We refused. They answered with fire. A slaughter. The consort took into his hands to organize the resistance, recruit the people, band them together, train them to form an army capable of facing such an overwhelming power. At the price of many sacrifices, we finally broke through the defenses and managed to turn the tide. We were beginning to win this wretched war. That's when it struck. The corrosion. It quickly spread through our ranks, poisoning our bodies, twisting our limbs, warping us into some terrible caricature. Half organic, half machine. But we wouldn't yield. Despite the fatigue, the sickness, letter from my sister. She told me that our mother had caught the corrosion. What would you have done in my place? Yeah, I thought so too. During one of the Arcolite's most ferocious attack, I slipped my dog tags on someone else's body, and I slipped away. That's how I became a deserter. My sister and I were determined. We wouldn't leave our mother to die such a terrible death. But everything comes with a price. Voilà la petite introduction. Donc sur des jeux AAA, on aurait sans doute eu une scène cinématique, quelque chose d'animé. Là, faut pas oublier que c'est une petite team, qu'ils étaient 5 ou 6 au départ, ils doivent être 9 à l'heure actuelle, sauf erreur. Donc c'est déjà très bien ce qui a été fait par rapport à leurs moyens et par rapport à l'ambition du titre. Et on fait connaissance avec les deux personnages de départ, on va dire. C'est les deux personnages jouables dans cette Early Access, donc Selene et Darion, qu'on devrait voir d'un peu plus près après, mais là pour l'instant vu la météo. We have to take shelter, Selene. I know the perfect place for that. It's also a shortcut.
Un petit cristal. On va pas beaucoup les décors là avec cette tempête. Par contre, on sait qu'on doit rejoindre une ville. C'est la première ville du jeu qui est accessible dans cette alpha justement. Enfin, dans cette early access. J'ai participé un petit peu à l'alpha, mais j'ai pas voulu faire de vidéo dessus. Marcher dans ses pas, ce sera plus rapide. Bon, alors on arrive ici, je parie qu'il y aura un combat. On est dans un JRPG après tout. Enfin, avec quelques modifications sur le système de combat par rapport à ce que j'avais montré à l'époque, c'est que c'était vraiment du tour par tour, complètement basique. Il y a normalement ici un système de grille pour se déplacer. Ouais, premier succès. Et là, par rapport au graphisme aussi, j'ai pas mis le jeu au maximum de ses graphismes, vu qu'apparemment il y a un petit peu des pertes de framerate. En même temps, le jeu vient d'être mis à disposition, donc il n'y a pas encore toute l'optimisation qui a été faite. Donc je préfère jouer avec des graphismes un peu moins détaillés, mais quelque chose d'un peu plus fluide. Les déplacements sont assez rapides, c'est assez plaisant de ne pas passer 5000 ans à marcher. Alors, fouillons un petit peu cette grotte. Pour l'instant, rien. Ah, un coffre. Est-ce que par hasard ce monstre qui a fait fuir, est-ce qu'il serait encore par là, dans le coin? Une potion de soin. Ça, j'imagine que c'est un point de sauvegarde juste devant. La grotte continue par là-bas. Ici, pas de deuxième coffre, non. Une petite sauvegarde, vu qu'il y aura sans doute quelqu'un qui va m'attendre dans pas longtemps. C'est un petit peu les clichés des JRPG entre ça, ou le fait d'avoir un héros qui commence en dormant ou qui a perdu toute sa famille. Il y a eu un petit lag. Alors, le système de combat. Donc, il y a des jauges ATB, comme dans les vieux Final Fantasy, qui se remplit plus ou moins vite en fonction des statistiques. C'est classique, une fois que la barre est pleine, le personnage peut lancer une attaque ou un sort, ce qui consomme la barre d'ATB. Tout à fait normal. Il y a la barre de vie, la barre ATB pour l'ennemi. Lors d'une action, la barre ATB est remplacée par celle d'incantation. Mais une barre d'action, donc avec Y pour changer de caractère, LT pour les actions, RT pour les sorts, et
X pour passer le temps plus vite, apparemment. Ah, par contre, faut valider avec X. Alors, comment c'était A pour valider? C'est un peu bizarre. Je vais peut-être. Peut-être leur indiquer ça dans. dans la suggestion d'amélioration. Alors, utilise la gâchette LT de manette pour ouvrir l'interface des actions. Oui, je joue avec une manette. On peut aussi jouer avec un clavier, mais pour l'instant, le jeu propose en fait clavier français ou clavier américain, mais pas le clavier suisse qui est un petit peu différent. Donc je pense que par la suite il y aura peut-être une option pour paramétrer toutes les touches, mais bref, revenons. Donc sélectionnez attaque avec le bouton A. Pendant les combats, vous pouvez attaquer des sorts, utiliser des objets pour déplacer vos personnages. Bref. Alors je vais faire une. Tiens, c'est inversé par rapport au tutoriel, non? Sort sur LT, action sur RT. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une attaque A. Et là, je peux choisir la cible. Donc la même chose, on va attaquer de manière bourrin pour l'instant. Ça va, il tape, mais pas non plus trop fort. Qu'est-ce que j'ai comme sort? J'ai aucun sort avec Darion. Donc, on va terminer celui-là. Et avec Selene, j'ai aucun sort non plus pour l'instant. Donc ça tombe bien. Je vais me contenter d'attaquer. Parler aussi de pouvoir déplacer ses personnages, c'est peut-être pas encore. Je pense que c'est pas encore accessible pour l'instant. LB pour RB, ça c'est pour bouger la caméra, mais on peut le faire aussi avec le joystick. Après, en même temps, c'est le premier combat du jeu. On demande pas à ce moment-là de faire quelque chose de très complexe. Alors, 5 étoiles. Je gagne de l'éther. Et je pense de la monnaie, j'ai pas vu. Ah, par contre, là, le sous-titre est passé un peu vite, j'ai pas eu le temps de le lire. Alors, écran de victoire des combats. Donc, les personnages peuvent gagner de l'expérience et des niveaux. La note de combat. Les objets en récompense. J'ai pas fait gaffe si j'en avais reçu. Les armes. Ah, les armes peuvent gagner des niveaux. Ça, c'est intéressant. Et la durée du combat. Ainsi que l'or. Ouais, donc j'ai reçu de l'or, effectivement. Et un petit coffre ici. Encore une potion, ça va. Donc j'imagine. Alors. Là c'est menu normal. Est-ce qu'il y a un menu. Il n'y a pas de menu de gameplay pour l'instant qui permet de voir les persos. À moins que ce soit là. Non. Et un point de sauvegarde. On va faire la traditionnelle technique. Faire trois sauvegardes que j'alterne. Comme ça, si je merde quelque part, je peux revenir en arrière. Ça m'a sauvé dans Final Fantasy X, par exemple. Équipement d'un cristal. Donc là, je pense que je vais avoir accès
au fameux menu que je parle, dont je parlais avant. Et oui, par rapport aux sauvegardes sur un boss sur Final Fantasy X, j'avais un niveau qui était largement inférieur à ce qu'il fallait pour le boss. Et en fait, j'ai plus la possibilité d'affronter. C'est un boss dans le désert, c'est que j'étais sur un vaisseau. Et je pouvais pas faire de combat pour m'entraîner, donc j'ai dû reprendre une ancienne sauvegarde. Et là, j'étais content d'avoir fait le système des trois sauvegardes. J'ai pu revenir 2 heures de jeu en arrière et pas perdre totalement ma progression. Alors, pendant les quêtes et combats, vous pouvez obtenir des cristaux. Ces cristaux peuvent être sertis sur une arme pour débloquer des sorts, un peu comme les materia, ou améliorer les caractéristiques du personnage. Le personnage peut être lié qu'à une seule arme, pas un personnage. Ok. Alors, vous ouvrez le menu principal avec Tab ou Y, la manette, c'est l'onglet cristal. Je viens de recevoir un cristal. Toujours commencer par le cristal le plus gros. Cliquez dessus pour y avoir des cristaux disponibles. Alors, voyons voir. Donc là, je reçois. Avec Y. Ça a mis un petit peu de temps à charger, puis j'ai ma souris qui est revenue ici. Je vais l'enlever. Alors, là, j'ai les statues. J'arrive. Ah si, voilà, j'arrivais pas à changer de personnage. Les contrôles m'ont encore un petit peu de réactivité. C'est peut-être un peu une optimisation des menus. Des fois, j'ai l'impression en fait que ça réagit pas à ce que je fais. Alors, emplacement disponible. Est-ce que je peux mettre quelque chose? Un éclat scintillant. Et donc, normalement, j'ai appris le sort Faille-feu niveau 1. Inflige des dégâts magiques sur un ennemi. Parfait. Et là, je peux voir l'inventaire. Donc, armure, j'ai pas d'objet. Armes, j'en ai deux. Donc, celles qui sont équipées, j'imagine. Cristal, c'est fait. Objet clé, j'en ai pas. Consommable, j'en ai pas. Si, j'en ai faim. Je parle, mais ça correspond pas forcément. Et là. Interagir. Ah, j'utilise faille feu et apparemment je suis bien attendu par quelqu'un. Le fameux monstre. Donc j'ai pas encore de sort de soins par contre. On va voir. Bon, j'ai des potions s'il faut. Alors là, est-ce qu'il y a du positionnement? Ils ont l'air un peu positionnés différemment, les personnages. Ah oui, effectivement, il est pas. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de points de vie. Pour l'instant. Ouais, quoique. Ah non, c'est sa barre de points de vie en haut ou sa barre d'ATB? Non, sa barre de points de vie. Et je pense qu'il a. Il n'a pas beaucoup de points de vie. Il en reste pas beaucoup en pourcentage, mais à mon avis, c'est quand même un sac à PV. Puis ça n'a pas marché mon action? Ah, j'ai été interrompu, je pense, par l'ennemi. Je vais m'occuper des petits mobs. Ouais, j'aurais dû lire le texte. Vous ou l'un de vos personnages, de vos ennemis a subi une interruption. Alors, comment faire pour rester hors de portée? Apparemment, pour l'instant, on peut pas. Enfin, je sais pas si on peut pas ou si c'est juste que le jeu n'a pas encore implémenté cette fonctionnalité. Dans tous les cas, je vais brûler l'autre. Ah, j'ai de nouveau été interrompu. Décidément. Je vais pas pouvoir lancer mon sort de feu.
Alors, je vais tuer celui-là. Je pense prochaine action, je vais en profiter pour un peu me... ça m'a pas tué complètement. Je vais me soigner un peu parce que là ça va devenir critique. Alors, comment faire pour se soigner? C'est avec action. Ah, puis c'est avec la croix. On soigne Célène. Et là, par contre, on va faire un gros sort de feu sur lui, qui va être interrompu. Enfin, d'où l'intérêt d'avoir d'avoir des persos qui soient hors de portée. Ça, Darion a encore un peu de PV. On va voir si... Ah merde, zut. J'ai pas fait gaffe que j'étais sur, sur Selene et pas sur Darion. C'est un peu une perte de temps d'attaquer. Enfin, quoique, il lui reste plus beaucoup. Puis, de toute façon, il va m'attaquer autrement et interrompre mon sort, donc autant... Autant faire ça... comme ça. Bon, j'ai quand même 5 étoiles. Donc apparemment c'est que... Bon, j'ai pas gagné d'argent. Apparemment c'était normal que je me prenne des dégâts et tout. Je pense que c'est vraiment pour... Ah, il n'y a plus de sous-titres. Bon, ben, lui, il en profite pour se disputer. Je pense là, je vais bientôt mettre fin à la vidéo. Je vais juste sortir de la grotte, voir un peu ce qui se passe dehors. Et avant de tourner la suite, je vais déjà signaler ces quelques bugs que j'ai constatés. Ces quelques bugs et ces quelques recommandations. Vu qu'il y a un menu en jeu en plus qui permet de signaler les bugs. L'avantage en plus, vu que c'est une team française qui a fait le jeu, c'est que je peux écrire directement en français, donc je peux être sûr de me faire comprendre. De chargement un petit peu plus long que les autres. Je vais peut-être être ramené automatiquement dehors. Ah, ça va. Ça passe directement. Enfin, si ça veut bien se terminer. Après voilà, enfin, comme est indiqué en haut de... Juste en haut de l'écran, c'est une version alpha. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des petits bugs ou des choses qui se passent pas exactement comme prévu. Dans Jeff Eternity, le moment de la journée et la météo peuvent influencer le cours des batailles en modifiant les résistances magiques. Intéressant. On peut vérifier l'équilibre de ces éléments dans la barre d'influence au haut à droite de l'écran. Lorsqu'un élément est souligné, ça indique que les dommages liés à cet élément sont multipliés par 2. S'il est en rouge, ils sont divisés par 2. Donc là, les dégâts de feu sont divisés par 2, et par contre, le premier, c'est les dégâts électriques, j'imagine. Ils sont doublés. Alors, la fluguelle. On va essayer de ramasser tout ce qu'on peut. Enfin, d'abord, du loot. Brassard de cuir. Tutoriel comment équiper un objet. J'ai reçu des gants pour Darion. Donc voilà, je peux les ajouter. Et un éclat scintillant qui fait plus un attack, plus un défense magique, plus un défense. Et lame de foudre
1 pour Darion. Donc, je vais tout de suite m'occuper de ça. Alors, Crystal. Voilà, en fait, ce que je disais avant, là, je suis en train de changer de page et j'appuie sur A pour entrer dans le menu. Donc là, maintenant, je suis dans le menu Crystal, sauf qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de feedback à l'écran en fait qui me dit que j'y suis. Donc là, ça pourrait être bien d'avoir genre l'écran, un petit flash d'écran ou quelque chose. Mais voilà, c'est vraiment du détail de l'ergonomie ça. Et donc maintenant l'équipement. Donc j'ai eu des gants. On voit qu'il y a pas mal d'emplacements d'équipement, ça c'est bien. Tête, accessoires, torse, armes, pantalons, bottes, gants. Là j'ai pas... Bon, de toute façon ouais, non, je sais que j'ai rien. Alors brassard de cuir. Et là on voit les cristaux qui sont associés. Et je vais sauvegarder ici. Donc j'espère que cette petite première vidéo... vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir un peu ce jeu. Donc moi je vais bien sûr continuer, mon but c'est de faire toute cette early access, tout ce premier chapitre de l'histoire en vidéo et de le proposer, et avec un peu de chance la suite sortira avant que j'aie terminé de mettre en ligne toutes ces vidéos. Donc comme ça enchaînera sur l'histoire, et autrement je ferai les quêtes annexes et tout ce que propose un peu cette première version. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et de cette manière, vous pourrez être notifié lors de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire sous cette vidéo si vous avez des suggestions sur ma manière de faire, si je pourrais améliorer certaines choses. Et dans tous les cas, j'espère vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. Bye bye.